Salut YouTube. Bienvenue, on est sur Lords of the Fallen. On est toujours à Kalrat, je crois que ça s'appelle Kalrat la zone. Kalrat, c'est ça. Et on est dans le haut Kalrat. On cherche la balise, probablement. On y croit fort. C'est vrai qu'on était dans cette baraque. Viens de battre un peu. Bien débilos, c'est ce que je viens de faire. Double R2, il fait mal aussi. So long. Ok. Là, il y avait juste ça, on l'a eu le souvenir. Là, il y a les problèmes. Oh, t'as bien, mes gars. Ah, quand même. Est-ce que ça suffit pour prendre un level ? La réponse est non. La logique voudrait qu'on monte, donc je vais descendre. Ça, à coup sûr, c'est... Hein ? C'est sûr que c'est de la merde. C'est un branlot qui one-shot 2000%. Il y a beaucoup de trucs en descendant quand même. Si on monte, ça fait quoi ? Coffre déjà. Pantalon de superviseur. On peut monter plus haut. Ah non, donc c'est bien en bas qu'il faut aller. Bravo à tous. Tain, tain, tain. Ah ouais, mais non, du coup. C'est un peu chiant, du coup. Je vois rien, je vois rien, je vois absolument rien. J'ai adoré. C'est faux. C'est pas mal, cette zone où il n'y a pas de lumière. Où tous les ennemis sont dans le noir. Bon, ne pas récupérer ce... ce truc de merde.
trop nul au jeu, c'est un truc de fou. Tapez, bro. C'est que je me suis fait autant harceler là. Me fait détruire. What the fuck les amis. On voit rien. Truc de zinzin. Quelle zone de fou, on voit rien. Pas envie de vous. Laissez-moi. Ma dose. J'ai eu ma dose de on voit rien dans cette merde. Hein ? Ça se fait ça, non ? Ok. Je sais pas s'il faut continuer de descendre. Récupérera en bas. Putain, bien en bas même. Y'a quoi là? Rien. Ah mais on peut passer de là à là directos. Incroyable ça. Longtemps parce qu'il y a un mec avec une lame. C'est qui ? On s'en fout. Les ennemis commencent à me touchoter. Je pense qu'il va falloir augmenter la vitalité. J'ai pas récupéré mes trucs. Non, parce que c'est l'autre qui l'a. Est-ce que je tente ? Du coup. La flemme. Truc, je suis obligé. Donc du coup on va tenter celui tout en haut.
Et ensuite je reviendrai là. La carte, y'a quoi? Les chevaux des brumes. Levier, tu rentres. Gauche, tu montes. Tu vas dans un trou, ouais, on va dans une mine, quoi. Globalement, on va dans une mine. J'ai esquivé. Ça m'en dingue. En fait, j'adorerais vous tuer, mais je vous vois pas. À partir de là, que faire? Ruck. On voit rien dans cette zone, putain, vous voyez vraiment rien vous sur le live, désolé. OMG, y'a du feu. Il est fou. Faut m'expliquer pourquoi tu tapes pas. Mais putain, mais dégagez! Merci à tous. Horrible. Horrible jeu. On voit rien dans ce jeu de merde. J'avais pensé à mettre des torches. Des lumières. Je peux m'équiper une torche, une lumière? Je crois pas. Hein. On aurait dit au début du jeu. Si je trace là, c'est bon, personne m'emmerde. Je pense que ça va. Parce qu'ils s'en foutront. Là, ça va être chiant par contre. Ouais, non. Tout le monde s'en fout donc ça va. Je peux mourir là, comme un connard. Ok. Résidu de l'ombral, ça me va. Oh. Ça me double va. Améliorer le personnage. C'est combien qu'il fallait en force? Je sais plus. Pour la grosse épée là. Trente-six. Il manque un point. Et après, je pense que je focus la vita en vrai. J'ai plus trop le choix. Ça, je pense que c'est un raccourci. Non, il faut la clé de l'écheveau. Mais elle est où la clé de l'écheveau? Et Micheline, comment on l'aide? Un objet à acheter ou. Les chevaux des brumes. Ah, il va peut-être y avoir la clé des chevaux là.
trouvé la clé, non? Vas-y, baisse-toi. Ah non, mais il est sous Jack Frigo. Il est plus sous Jack Frigo, là. On va falloir trouver une clé. Mais putain! J'espère qu'il y a une grosse araignée à un moment. Il y a plein de toiles, s'il n'y a pas de grosse araignée... Occasion ratée, je pense. Pas très sympa le type derrière. Les mines de l'enfer. Oh, il est trop bien le jeu. Quand les hitbox marchent, le jeu est trop bien. Petit fragment, on est dans des mines, on a plein de fragments, c'est cool. C'est qu'à chaque fois que je ramasse un objet, j'ai peur de me faire baiser. Donc ça m'aide pas. Bien joué, Michel. Tu as failli m'avoir. Ça, à tous les coups, ça pète. Ça a foi de moi, ça tient pas debout. Sûr à 2000%. Je me compte que vous mourriez pas en deux coups, vous. Plus de déception, j'avoue. On voit rien, je suis dans l'eau et on voit rien. Des ennemis, on voit rien. Au secours. Ah, mais il donne des trucs, hein. Compris, on passe en mode dark. Oh, je vous déteste. C'est vrai que j'ai deux. Y'a rien en bas. Shit!
Genre juste ils sont tombés quoi. C'est vraiment une zone de folie là, on voit tout. Ça fait grave plaisir, bon. On va faire ça. J'ai pas envie de passer 1000 ans ici. Comment on sort ? J'ai pas trop cher. Amulette de Devo, c'est ça que j'ai chopé ? J'ai oublié ce que j'ai chopé. J'ai probablement chopé, mais j'ai oublié. Putain, j'en ai des objets. Ok. Oh, mais il y avait une planche en fait. Juste débile là. Remonter là. Anneau de la première des bêtes. La première des bêtes augmente la tribu endurance, ok. Bro. Je pense que j'ai ouvert la porte qu'il y avait en dessous. Problème, c'est que derrière là-bas il y avait un objet, donc comment on va? Je vais par la droite. Parce qu'on ira plus tard. Je suppute.
voit toujours rien ici, hein. C'est un truc de fou. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Ah bah voilà, on arrive là. Je l'avais vu, hein. J'ai décidé de ne rien en faire. Casse les couilles. On voit rien, hein. C'est un truc de fou. Déjà ça. Carreaux de base, super. Et je pourrais mettre d'autres types de carreaux. Et là on est où? Où c'est ça? C'est ce qui me stack le plus en France, celle-là en vrai. On fait des dégâts de feu en plus. Je pense que c'est pas mal, hein. Et les carreaux, je pourrais les changer par contre. En munitions, ils font des dégâts de feu aussi. C'est parfait pour mon arbalète. Si je tombe, je suis où? Ok, je reviens là. On s'en fout. Il y a une mouche, mais il n'y a rien à récupérer. Intéressant. Chien. J'ai chaud. Je tombe sans mourir là, oui. Ok. Niveau force, on est bien. Et on va pouvoir avancer. J'ai encore oublié. Putain, m'excuser.
l'électricité. Ça pourrait faire plus mal, je pense. Un petit moment de stun entre deux... de trucs quand même. S'ouvre pas de ce côté, c'est Bezex. On voit rien. Pouloulou. Vraiment rien. C'est vraiment le stream dans le noir. Pourquoi des trucs rouges là? Déjà toi t'es qui? Compliqué de voir quelque chose. Mort de quoi? Mort de feu. Ok, on voit toujours rien. Mourir en trois coups. Horrible. C'est quoi cette attaque? Ah non, c'est juste vous. Atsus. Pardon? J'ai pas aimé. Pas aimé. C'est où mon point de save? Ah, c'est la l'effigie. On va tracer en vrai. Les chevaux. Donc la clé des chevaux, je peux l'utiliser au début de cette zone et je peux l'utiliser dans le château avant aussi. On voit rien. Je vois vraiment rien, c'est ouf. C'est un truc de ouf, hein, comme on voit rien. Mais en fait, je suis empoisonné, là. Il faut pas que je traîne. C'est pour ça que je suis mort.
Oh, y'a du poison. Il récupérera jamais, hein. Les ennemis à un PV qui veulent pas mourir, ça aussi c'est un plaisir. Je suis dans l'eau empoisonnée en fait. On est sorti. Crâne de Runam, ça fait toujours plaisir. Check. Petit checkage. Checkage Salaki, saumon lait de brebis. Vous allez être chiant, ouais. Des chiants, hein. Vous m'avez tué, pourquoi vous m'avez tué? Alors, je tapais. Ça me sait. Je tape autant que vous. L'utiliser parce que vous êtes trop près. Trop près. Vous me saoulez. Il est trop près parce qu'il y a la mouche de retour. Chiant. Chiant de ouf. Chiant de ouf, les mouches. Pire ennemi du jeu, les moufs. Les moufs. Les moufs. Faut qu'on sorte de ces mines là. J'en peux plus, on voit rien. Mettre la luminosité du jeu sur thermostat 18. On voit que dalle. Bonsoir à tous. De l'autre côté, ça mène où? Testons des choses. Laissez-moi 2 secondes. Je fais des choses là. Mais putain. Ces pièces régulières, ça va aller le coup. Oh, they'll pay for this. Come on, swing those picks. Oh, just hold on, lads. We'll get you out of there. Résidu de l'Umbra. Et du coup, on est où là? Ah, on est sur le chemin. Okay. Le chemin de la Redemption. À quoi ça sert?
Voilà. Je l'ai pas vu. Y a un mec qui arrive, non? Je sais pas si un jour je verrai dans cette zone. On est allé dans cette zone là en bas. J'ai envie de dire que oui, mais j'en sais rien. Oui, mais oui, si, de toute façon, c'est la zone juste en dessous. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Putain, mais y a pas une seule zone où on voit un truc ici, hein. C'est ouf. Hein. On va s'en sortir un peu mieux là, je pense. On va peut-être voir des trucs. Je promets rien, mais on sait jamais. Sur un malentendu, on va peut-être voir. Je savais qu'il faisait ça, ça aurait été cool. Donc là, on peut avoir un pont. Et en dessous, il n'y a pas d'eau. Déjà raccourci. Je vais mourir tranquille. Là, c'est giga baisé, il y a un objet. Pas dans le monde dark. Dans tous les cas. We have to go in the dark mode. Allô? Oh, je t'avais pas vu. Bah super, bon accueil. Bon, heureusement qu'on arrive direct. Le raccourci. On n'a plus la pure zone de poison à se prendre. Zwing, 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 zwing.
Ok, maintenant qu'on a fait ça. Là dedans. Putain, je suis en train de monter. Je suis bloqué. Impossible. Bro. Un ange. Les problèmes. Les gros problèmes même. Ok. Comment je fais? C'est ouf. Ok. Ça pour avoir ce truc. Nartoon. Nartoon, c'était nul. Je peux pas arrêter de l'avoir, lui, le truc. Il faut aller le chercher. Comment on va le chercher? Je peux vraiment pas, genre, lui envoyer une tâche? Allô? Ah non, c'est mort. J'aimerais bien ne pas passer 1000 ans ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais y aller. Ok. Je vais peut-être pas y aller du coup. Il y a trop de cadavres qui flottent, je peux rien en faire. J'aime pas trop ça. Solong les nullos. Faire ça par contre. C'est adieu l'eau. Et là on rigole. Là on passe tous un bon moment. À nous dos. L'anneau dos. Chargement d'équipement max. Ouais. Pourquoi pas, mais bon, un peu la flemme. Okay, on n'ira pas là. Il y a un truc là.
Bon, on avance. Oh, mais il y a un autre truc là. C'est incroyable ça. Ça va toi? Tu passais pendant, je jure que c'est celui qui a pris le vistage. Steve Mark, l'endroit où Catherine est tombée. C'était une porte-lampe comme vous. Plus que ça, c'était ma bien-aimée. J'ai laissé ici un souvenir d'elle. Un pendentif que je lui ai jamais donné jadis, mais il a disparu. C'est tout ce qui me reste. Catherine et moi étions saintes sentinelles, imaginez donc, elle était stupéfiante. Nous sommes tombés amoureux avant de consommer notre union, ce qui était proscrit par l'ordre. Les découvertes nous ont fait expier notre péché par la douleur. Finalement, ils nous ont cru morts. Or, seul le dessin de Catherine a cessé de battre. Pas pour longtemps, grâce à la lampe de l'Umbral, même pour une porte-lampe, un jour, venue où elle est tombée pour ne plus se relever. Je trouve le fumé qui a pris ce pendentif. Si vous le trouvez en premier, prévenez-moi, compris. Cette profumation se paiera. Ok, je trouverai. Vestige de Catherine. Il est temps d'arrêter les conneries, je pense. J'ai combien de mon inventaire de pierres là? Je sais plus combien il faut. On va tester. Ils ont pas de clé, toi. Utiliser pierre étrange. Cette pierre, elle a changé, mais je la connais. Quand j'étais petite à Orphanon, une femme très gentille, nommée Eris, me l'avait donnée. C'était avant que les Saintes Sentinelles me trouvent. Seule et terrifiée, Eris m'avait aidé à surmonter mes peurs. J'ai perdu la pierre il y a longtemps, mais voilà qu'elle refait surface après toutes ces années. J'aurais pouvoir en dire autant de l'orphelinat et d'Iris. Ok. Bah super. T'as pas une clé, toi? Qui a la clé de l'écheveau? Personne n'a cette foutue clé. Donnez-moi la clé, F. J'ai une tablette, je te l'ai donnée déjà. Donnée. Tablettes sont toutes réunies, tous sauf une. Les pires erreurs de jugement que de placer le pouvoir entre des mains qui n'en sont pas dignes. Par les mains et les cœurs insensibles de Garline ne répondront que malheur par le pouvoir des runes. L'ultime tablette, apportez-la moi et... Pas de coup fourré, chien de traître, rappelle-toi. Porte ses fers, si je meurs, tu meurs. Bravez leurs paroles, ces idiots de Starvelo. Autre comme vous et que Mindstead, un homme que j'ai rencontré il y a bien longtemps, déjà prétend d'un fardeau qui n'a jamais fait que s'alourdir énormément depuis et a prélevé à leur tribu. Ajouter une longue exposition à cette force obscure si néfaste à l'humanité, quoi. Compris. On a du travail, ouais, ok, super. T'as pas de... Non, t'as pas. Ça s'augmente, ça? Ouais, mais il peut y avoir deux runes, là. 8. Pas assez de matériaux. Ouais, c'est des grandes pierres qu'il faut. Ok, la grosse épée à 36 de force, là, Léo. Là. Dégâts de feux. Pas assez de vigueur. Ah. Merci à tous. On peut mettre une deuxième rune. Accélère l'accumulation de poison. Fonction sur l'arme. Accélère l'accumulation de poison. Ouais. Accélère le poison, ouais. Elle empoisonne, donc c'est très bien.
Monte charge. C'est là où on est. I'll find them. You find them first. I'll be Le fumier qui a ton pendentif, ok, ça marche. On ne souffle pas de ce côté. C'est-à-dire. Je vais où du coup? Je fais quoi dans ma vie? Tirer là-dessus. J'ai fait tout ça pour rien. Bah mon vélo. Je suis bloqué dans le jeu. C'est la fin du jeu. Dommage. Bah non. Ouais, c'est la Bérésina. J'ai pas d'idée. Non, mais si ça s'ouvre pas de ce côté, ça s'ouvre pas de ce côté, hein. Je vais me faire foutre. Mais ça fait un peu mal, quoi. Aller de l'autre côté par là-bas. J'ai pas la clé de l'écheveau non plus, donc je sais pas où elle est. Je sais pas comment on va la récupérer. Ah. J'avais pas vu ça. Débile. C'est bon. Tout va bien. Au départ.
Le niveau 0 de l'amusement là, quand même. Ok, super. Cramé, je crois. J'ai marché sur je sais pas quoi. Ok, tout est chiant. On a réussi. Je suis bloqué dans le décor. Ce qui n'arrive que jamais dans le jeu, vraiment, en plus, donc c'est cool. C'est faux, ça arrive tout le temps. Et plus de fioles de soins. Hein. Tonneau. Pour le pire ennemi, il y a des choses qui ne changent pas et ça fait plaisir. Chambière de souverain. On va récupérer une petite clé. Une petite clé SVP, c'est pour un pote. J'ai vraiment hâte de sortir de ces mines. Dommage. On voit rien dans ces mines, on voit rien. C'est abusé, vas-y. Oh non. Y a moyen de prendre du plaisir ou pas? C'est qu'il y a des gens qui se sont dit ça passe quoi. Bah non, 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 ça passe pas. Ok. Bah un plaisir hein, comme souvent. Un mètre carré pour affronter des ennemis, c'est toujours un plaisir. Ok. Évidemment qu'il est protégé par un truc. Oh, ah, il m'a à travers, pourquoi? Trop loin pour faire ça, ok. Je peux pas, il y a l'autre qui arrive. Quatre coups. Vraiment, on en est là, on dit.
c'est lui qui a meilleur une âme en plus. Bah non, oui, 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 non. Pourquoi le changement de lock? Pourquoi le changement de lock? Pourquoi ça? Pourquoi la vie en fait? Ça sonne pas donc ça dans les PV en vrai. C'est chiant. De plus en plus relou. Peut-être ici autant de chiller. Pas sûr de ça. À quoi c'est ça? Pour aller où? C'est vraiment un vrai raccourci ça. Ouais si un peu quand même. Bon ok. Donc là on tombe. Je vois pas quel ennemi c'est, ok. Je sais pas où elle est. C'est moi tranquille. Il est où? Plutôt évident que ça te fait tomber, effectivement. La logique. Ça paraît putain de logique.
où il est. Oh. Formidable. Pas formidable. Excuse-moi, mais il sort d'où? Mais putain, mais tu sors d'où derrière? Ça n'a aucun putain de sens, la vie. C'était sympa, merci. Il y a des moments, je vous jure. Je vous jure. Et la vie de ma mère, je vous jurais. Ok. Pourquoi je tourne la tête en même temps que mon écran? Je suis un peu bête. Oh. Ça a pas l'air incroyablement sympa ici. Je pense que là-bas il y a le raccourci. Vraiment que ce serait un raccourci? Ça ne l'a pas été, je suis un peu déçu du coup. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de boss. Karma. Un peu de délai sur tes attaques, mais ça va. Ok. T'es un boss, ok. Tu prends bien le poison surtout, donc là on t'aime bien pour ça. Faire tracer. Je suis demandé un boss en fait et on l'a. Hein. Le jeu il est sympa finalement. Est-ce que je retourne directement le fumer, je pense que oui. Gros chien.
C'est instant en vrai. Putain, j'ai pas le temps de rien faire. La finir en légende. Hein. Ok. Kill la salle de damage, bouclier, home. J'ai un peu envie de la bourrer à la fin. Ça a marché. Non, du coup, non, en fait. Du coup, non. Oh là, Midoba! Je sais pas combien il y avait de qui, celui-là, mais il y avait 4 bras. C'était un boss un peu nul. Enfin, en vrai, si, il était marrant, il avait des bons patterns. Mais bon. En 2 minutes, c'était plié. On aurait dit Volo de Soul Calibur. On est dans des mines, Midoba. Ça pue. Vraiment, pas le fun. Oh, j'en ai 5. En vrai, je vais en mettre une là. J'ai envie de tenter un truc. On va voyager. Dans le monde gelé, ça se voit soin ou pas? C'était dans le Dark World. On n'est toujours pas dans le monde gelé. Je crois qu'il y a des... on avait vu des mondes de glace. Il doit bien y avoir une zone de glace quelque part. Je pense que l'entrée au début du jeu. On va tester l'arme, la gigantesque épée de force. Étant donné que j'ai les prérequis maintenant. Mais il faut que je la retrouve. Elle est là. Ah mais c'est parce que je l'ai déjà bien augmenté. C'est pour ça qu'elle tape à 350 et quelques. Ah, elle est en 1 moins. Oh, je peux faire ça. Est-ce que je le fais? Vais-je le faire? Je tape à combien là avec mon autre épée? Ça. Je tape à 393. Le truc c'est qu'elle stack sur l'agilité, mais j'augmente pas l'agilité. 393, ok. Et la grosse épée, ça tapera à combien? Je suis à 426. Ou je vais être à 426. Vas-y, je suis un malade, je tente. Parce qu'en plus, elle met des dégâts de feu. Ça peut être un truc de barbare. Test d'une nouvelle arme. Peut-être que ça va être de la merde. Et là. Putain, c'est vraiment une grosse épée zoin zoin. Oh la vache. Bon, on mettra pas plus d'un coup à la fois. Hein. T'as des problèmes de police d'écriture dans le menu des soleils. Et des problèmes de police d'écriture, tu trouves? Ouais, ouais, si, dans puissance d'attaque et tout, là. Je pense que c'est le... C'est la trad française. En anglais, ça doit passer, mais en français, ça passe pas. C'est incroyable, hein. Plaçons les runes.
Là. Alors qu'est-ce qu'on peut passer? Augmente les gains d'attributs force. Je sais pas, pour le moment on peut mettre ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Augmente les dégâts physiques, régule les gains d'attributs force. Augmente les dégâts de posture, augmente les dégâts physiques, réduit les gains d'attributs force. Réduit le poids de l'arme. Ça, ça peut être bien en vrai. Je crois qu'elle est lourde. Elle est trop lourde pour moi. Je suis pas sûr de ça, remarque. Attendez, faites voir. Est-ce qu'elle est vraiment trop lourde pour moi? Ouais, elle est trop lourde pour moi. Ok, il va falloir que je fasse ça. Réduit le poids de l'arme. Boum. Rendre la vie en frappant un ennemi. C'est incroyable. Rendre la vie en tuant un ennemi. Rendre la vie en frappant un ennemi, c'est incroyable, ça. Sans attaque, 393, ça n'entrait pas, ils sont bourrés. Y'a rien qui rentre. On teste d'une nouvelle arme. On va améliorer le perso aussi. Plus 151, plus 158. Oh, ça tape tellement fort. Je suis désolé, je suis obligé de mettre des points un peu en vitalité là. Ça commence à être un peu juste. Je vais monter à 15 en vitalité. Et on verra après. C'était quoi? Ah non, c'est la germe. Oh, j'ai le truc de les chevaux aussi. Oh, il y a trop de trucs où on pourrait aller. Il y a trop de trucs où on pourrait aller. YouTube, on va dans d'autres trucs dans la prochaine VOD, au revoir.